Dans cette vidéo, on va apprendre à créer ensemble, étape par étape, un tableau de bord RH comme celui-ci, donc assez simple finalement, avec des données qui sont aussi assez simples, mais sur lequel on va mettre l'accent sur deux choses, l'interactivité et l'aspect visuel, l'aspect graphique, le fait qu'il soit sympa à voir et facile à comprendre. Donc, je vous montre à peu près de quoi on va partir. On va partir d'une base de données comme ça qui fait, si on regarde ici, 69 lignes moins la ligne de titre. C'est-à-dire que c'est une base de données de 69 personnes, 68 personnes, pardon, 68 personnes pour lesquelles on a quelques infos. Donc on a quand même assez peu d'infos, le service dans lequel ils sont, le sexe, l'âge, la date d'embauche et la rémunération. On a finalement assez peu d'infos, mais c'est très bien pour commencer. Parce que ce qu'on va faire cette vidéo-là, dans ce cas pratique-là, c'est un tableau de bord RH de niveau 1. Et forcément, dans les niveaux d'après, on ira plus loin sur plein d'aspects, des données plus complexes, des données plus fragmentées aussi en différentes bases de données, et puis des visuels et de l'interactivité d'un autre niveau. Donc voilà, je monte ça. Donc l'idée, c'est qu'on ait des données ici et qu'on va utiliser des tableaux croisés dynamiques. Mais pas que, principalement des tableaux croisés dynamiques, comme ressources pour créer un tableau de bord qui va contenir ici ce qu'on appelle des cartes, en général, ce qu'on appelle en tout cas sur Power BI des cartes, qui n'a pas forcément d'équivalent sur Excel. Donc là, je vais les recréer dans des cellules, on aurait pu créer des formes. Et pour créer bah, tout le reste, donc des graphiques et des segments, et quelques petits textes et icônes qui vont venir agrémenter tout ça. Et donc forcément, bah, si je fais un focus par exemple sur le service bah, RH, tant qu'à faire, tout va se mettre à jour par rapport au service RH. Si je dis bah non, je veux voir uniquement les femmes, par exemple, bah là je vois que j'ai 68 personnes. En femmes, j'en ai 31. Et donc j'ai bah, forcément pas d'hommes dans mon effectif de femmes. L'âge moyen des femmes est 39, versus l'âge moyen des hommes qui est 35,5. Puis on voit plein de petites infos comme ça, comme la rémunération moyenne, etc. Et on peut faire facilement, bah, je vais voir les hommes du service juridique. Et voilà, je vois qu'il n'y en a qu'un seul. Donc pareil, on peut faire des focus un peu sur tout. Là, par exemple, dans le service finance, il y a 7 personnes. Et si je prends finance plus développement plus logistique, au hasard, finance plus juridique plus logistique, bah, j'ai 14 personnes pour une rémunération totale de 812 000 euros. Donc on a à la fois des KPIs qui résument assez bien. Une petite société de 68 personnes, son effectif en 2023, quelques infos sur cet effectif, et on peut aller faire des focus, on peut aller faire des analyses par service ou par sexe. Pour l'instant, il n'y a que ça, j'ai mis que ça dans cette V1. Voilà l'objectif, et pour ça, bah, on va utiliser que des trucs dans Excel de base, donc on ne va pas faire de VBA, bien entendu, on ne va pas faire de DAX, on va pas faire de Power Query, on va utiliser simplement les bases d'Excel avec les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques et quelques formules assez simples dans des cellules et puis pas grand-chose d'autre. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Et maintenant, comment on va s'y prendre? Premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer nos feuilles qui sont ici. Enfin, pas les dupliquer, mais je vais recréer une feuille calcul et je vais recréer une feuille tableau de bord, je ne peux pas les nommer pareil, du coup je vais l'appeler calcul 2 et tableau de bord, hop, je place ça à nouveau, tableau de bord 2. Je vais leur donner les mêmes couleurs, donc je vais faire simplement ici, clic droit, couleur, et vous mettez un gris, alors moi j'avais mis celui-là, alors c'est un gris bleu, gris vert ici, et le bleu qui est ici. Donc clic droit sur les noms des onglets et couleurs. Et on n'a sans doute pas les mêmes couleurs, en tout cas c'est possible, parce que moi je suis allé dans mise en page, et pour une fois, alors je le fais de temps en temps, selon l'humeur du moment, j'ai changé le thème je suis passé du thème normal à un thème bleu-vert, parce que j'avais envie de travailler sur ça, sur quelque chose un peu plus neutre, un peu plus apaisé, des couleurs un peu moins flamboyantes, pour avoir un tableau de bord justement qui soit plus agréable à voir, plus agréable à lire, avec des couleurs qui sont un peu plus nuancées, on va dire. Donc j'ai fait ça, et maintenant bah, je vais juste retourner voir un tout petit peu mes données, à quoi elles ressemblent, avant de commencer à faire la première étape de tout ce que je vais créer. Donc mes données, j'ai 6 colonnes, et chacune des colonnes correspond à une ligne. Donc on peut le voir ici en cliquant là,
Si je clique sur cette flèche-là qui va vers le bas à partir du haut de cette colonne-là, comme je suis dans un tableau, donc j'ai la petite flèche noire vers le bas, comme je suis dans un tableau, ça va me sélectionner uniquement les cellules du tableau et je vois que j'ai 68 personnes. Donc j'ai 68 matricules, donc 68 personnes. J'ai pareil, forcément 68 services, mais il y en a qui sont les mêmes. 68 sexes, mais c'est soit des hommes, soit des femmes. J'ai peut-être d'autres choses. Non, j'ai hommes et femmes. Pareil avec des âges, des dates d'embauche et des rémunérations. Et donc, bah moi, ces données-là, je vais vouloir les exploiter pour avoir des sortes de grands ensembles, ben, comme c'est le cas ici. Donc, le nombre de personnes au général, le nombre de personnes, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre, l'âge moyen de tout le monde, ou l'âge moyen uniquement des personnes sélectionnées dans un service, etc. Et pour faire ça, bah, le plus simple, enfin l'une des manières de faire, on va dire, l'une des grandes manières de faire, ça va être de faire des tableaux croisés dynamiques qui vont nous donner une vision assez globale de nos données. Donc, je vais juste me mettre ici. Comme c'est un tableau, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Je vais juste cliquer sur insertion. Alors, je vais cliquer sur un truc avant. Je vais faire une copie, comme je fais à chaque fois, impression écran. Et je vais coller ça ici pour savoir, pour avoir tout le temps une image de quoi faire. Je vais mettre en 8, hop, comme ça on voit à peu près, c'est très bien. Donc moi je vais vouloir créer ces mêmes graphiques qu'on voit ici, ces mêmes petites cellules qu'on voit là-haut, et du coup je vais faire tout pareil, et je vais commencer par créer les graphiques. Et pour créer ces graphiques-là, qui sont des graphiques qui vont réagir à mes segments, bah, je vais créer des tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais me remettre dans mes données, ici. Comme c'est un tableau, je peux faire insertion, tableau croisé dynamique. Il me demande, donc on voit bien qu'il a repéré que le tableau c'est ça. Et je vais dire dans une feuille de calcul existante parce que je l'ai déjà créée. Maintenant je clique sur l'emplacement. Une fois que j'ai cliqué sur l'emplacement, je vais dans calcul et je vais mettre mon tableau croisé dynamique ici. Donc en B5, juste je laisse toujours de la place en haut d'un tableau croisé dynamique pour plein de raisons. Donc laissez toujours 3, 4, 5 cellules. Moi là j'en laisse 4 au-dessus de mon tableau croisé dynamique. Je fais ça, voilà, il a chargé un tout petit peu, mais juste parce que j'ai mis intégré au modèle de données. Et du coup, alors vous n'avez peut-être pas la même présentation que moi. Moi je vais adopter cette présentation. Ici, vous pouvez changer la présentation. Normalement, vous avez celle-ci. Quand vous êtes dans votre tableau croisé dynamique, vous avez un panneau latéral et vous avez cette présentation. Bah, moi maintenant j'utilise plutôt celle-ci. Parce que je trouve que c'est plus facile d'y voir clair. Donc j'ai toutes mes colonnes ici, que j'ai, toutes mes colonnes de ma source de données. Et ici, je peux les mettre soit dans filtre, ligne, colonne ou valeur. Donc on va regarder ça. Vous pouvez agrandir ou réduire. Moi, je vais laisser comme ça. Hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà un premier tableau croisé dynamique. Donc, mon premier objectif, faire un premier tableau croisé dynamique assez général, comme on l'a ici, qui va me donner des indicateurs assez généraux sur mes données. Je vais lui dire, bah, par service, donne-moi une ligne par service, et pour chaque service, tu vas me donner le nombre de personnes. Donc je mets matricule, parce que comme c'est des textes, vu que c'est des noms, il ne va pas être capable de faire des sommes ou quoi que ce soit, donc il va même pas tester, ce qui veut dire qu'il va calculer le nombre de matricules. Et donc le nombre de matricules, c'est le nombre de personnes par service, c'est l'effectif par service. Je vais lui dire aussi de calculer par exemple les âges. Et les âges, bêtement, il va essayer de les additionner. Donc je rajoute les âges dans les valeurs. Et comme c'est des nombres, il va essayer de les additionner. Je vais me mettre sur un des âges ici. Clic droit. Et, pardon, synthétiser les valeurs par moyenne. Ça va me donner la moyenne d'âge, ce qui est quand même plus intéressant que la somme des âges, parce que la somme des âges, ce n'est pas quelque chose qui est très pertinent à calculer. Et je vais faire encore deux choses. Je vais prendre les rémunérations. Et là, il me fait la somme des rémunérations, ce qui correspond à la masse salariale de chaque service et la masse salariale totale. Et je vais reprendre une nouvelle fois rémunération pour calculer un autre truc qui est intéressant, c'est la moyenne des rémunérations. Et donc ici, pareil, je vais faire clic droit, moyenne. Ce genre de truc, c'est ce que vous devez souvent faire quand vous avez des données. En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, vous avez des données, vous faites un tableau croisé dynamique, faites déjà un premier tableau croisé dynamique assez général
qu'on ne pourra pas forcément utiliser par la suite dans beaucoup de contextes, notamment pas pour faire des graphiques, mais qui vous donne une bonne image de des informations de votre base de données. Donc là, je vois que j'ai X services, alors c'est pas marqué, mais j'ai 10 services, dont le service autre que je vais décaler vers le bas parce que je n'ai pas envie qu'il arrive en premier. J'ai 68 personnes en tout, réparties comme ça sur les services. La moyenne d'âge, on voit qu'elle est de 37 ans, mais elle évolue entre 31 ici et 41 ici. Et puis pareil sur d'autres choses. Et donc moi, je vais juste mettre ça un tout petit peu au propre. Alors déjà, je vais dézoomer un peu. J'espère que ce ne sera pas trop petit pour vous, mais ça va nous permettre de mieux voir nos données parce qu'on va faire plusieurs TCD. Je vais réduire un peu la largeur de ces colonnes-là autour, histoire de ne pas avoir trop d'espace. Je vais faire un truc que moi j'aime bien aussi, c'est enlever le quadrillage. Voilà, donc je fais ça. Et maintenant, je vais modifier un peu ici pour qu'on comprenne mieux. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que mon service autre, bah, je vais le mettre tout en bas. Dans l'ordre alphabétique, c'est le premier. Mais en termes de compréhension, je préfère qu'il soit tout en bas. Les autres, je vais les séparer. Donc, les autres, c'est l'ordre alphabétique. Mais pour autre, je le mets tout en bas. Ensuite, ici, bah, étiquette de ligne, je vais appeler ça juste service. Nombre de matricules, je vais appeler ça effectif. Donc, vous pouvez simplement cliquer dessus et renommer. Ça, je vais appeler âge moyen. Ça, je vais appeler rému moyenne. Et le dernier, pardon, je vais appeler rému total. Je vais faire un autre changement, c'est que je vais faire un clic droit sur certaines valeurs dans certaines colonnes. Donc, toutes ces colonnes-là, je vais vouloir modifier un peu les trois dernières, je vais vouloir modifier un peu le format de nombre. Donc, je vais faire clic droit, format de nombre, histoire d'avoir quelque chose qui soit plus facile à lire. Donc, par exemple, les âges. Je vais prendre 100 décimales. Je n'ai pas besoin de savoir que c'est 37, quelque chose. Je vais prendre juste l'âge moyen en prenant des années complètes. Pareil ici, format de nombre, monétaire. Là, on parle de salaire monétaire. Je vais enlever les décimales, mais je vais mettre monétaire. Et ici, pareil, clic droit, format de nombre, monétaire. Et du coup, là, ça me donne des données qui sont plus facilement compréhensibles. D'un point de vue lecture rapide, parce que bah, c'est plus facile de se rendre compte que là c'est 4 millions au total, même si je pourrais faire des petites mises en forme pour qu'on voit mieux certains trucs. Mais voilà, 4 millions au total, 58 000 euros annuels de rémunération moyenne pour l'ensemble des 68 salariés, 68 salariés avec 37 ans d'âge moyen et avec des disparités en termes d'effectifs, en termes d'âge moyen, de rémunération, etc., en fonction des services. Donc j'ai ce truc-là, et ça c'est des indicateurs qui sont assez bien, que je vais réutiliser à plein d'endroits pour faire des graphiques. Et donc ce que je vais faire, c'est que bah, ce TCD-là que j'ai déjà fait une fois, je vais venir le copier en totalité, donc je viens copier les colonnes. Je vais venir le copier et le coller, alors déjà juste une fois, voilà. Je viens le coller juste une fois plutôt que de le refaire. Je vais venir le coller juste une fois. Et là, je vais me faire des TCD différents pour lesquels je vais chacun d'entre eux utiliser pour faire mes graphiques. Donc là, j'ai mes données générales. Et maintenant, je vais vouloir obtenir des graphiques qui me permettent d'obtenir bah, certaines des données que j'ai trouvées avec ce que j'ai déjà fait. Donc l'effectif par service et la rémunération totale par service. Et donc pour faire ça, vous allez voir, je vais juste faire ça ces deux-là rapidement. Bah, je vais juste enlever l'âge, enlever la rémunération. Ici. Et donc là, j'ai juste l'effectif par service. Et puis, je vais reprendre ça. Alors, je prends juste les colonnes d'avant et d'après, histoire de ne pas avoir à modifier la taille de mes colonnes aussi, après coup. Comme ça, ça me fait déjà une colonne plus petite avant, une colonne plus petite après. Et là, je vais faire exactement la même chose, mais je vais enlever bah, l'âge, et je vais enlever le matricule qui me permettait de récupérer mes effectifs, ou je peux l'enlever ici, je peux le faire glisser ici. Et pareil sur ma rémunération moyenne. Je vais l'enlever aussi. Ce qui fait que maintenant, bah, j'ai les deux tableaux croisés dynamiques, celui-ci et celui-ci, que je peux nommer d'ailleurs graphique 1 et graphique 2, si j'ai envie, qui vont me permettre d'obtenir ce graphique et ce graphique.
Et donc voilà, j'ai un premier TCD général, et puis deux petites, disons, variations de ce TCD en plus simple, qui vont me permettre d'avoir des graphiques faciles à faire. Donc là, avec ces deux tableaux croisés dynamiques, les deux que je viens de créer ici, j'ai déjà de quoi faire deux graphiques qui pourront être très dynamiques quand je vais rajouter des segments. Donc je vais commencer par faire mes graphiques. Donc, au fait, au cas où, moi ici, j'ai mis en tout petit le. Tiens, je vais l'agrandir. J'avais mis en tout petit le bandeau pour vous présenter le tableau de bord complet en le voyant bien. J'avais fait exprès de le paramétrer pour que sa taille, ce soit la taille à peu près d'un plein écran une fois que le bandeau est masqué. Mais au cas où, pour travailler ou pour présenter, souvent on alterne entre le bandeau et masqué, donc on double-clique dessus sur n'importe quel, par exemple sur mise en page, vous double-cliquez, ça va masquer le bandeau s'il était affiché et l'afficher s'il était masqué. Donc moi j'ai l'habitude de naviguer entre l'un et l'autre, et là je vais tout mettre en, je vais mettre le bandeau en ouvert, en affiché. Je vous le dis au cas où, moi j'aime bien passer de par défaut le bandeau est masqué. Ah, par défaut, il est affiché, et de changer ça au fur et à mesure. Bref, je l'affiche, je retourne dans tableau de bord et je regarde juste rapidement ici les deux graphiques que je vais faire. Donc un graphique qui va être effectif par service, un graphique qui va être rémunération totale par service. Et visuellement, je veux qu'il ressemble à peu près à ça. Donc je vais me mettre ici et je vais sélectionner l'un des deux tableaux croisés dynamiques, celui-ci par exemple, analyse du tableau croisé dynamique, qui a peut-être pas le même nom exactement chez vous, mais vous le voyez sur la droite des éléments du ruban, des onglets du ruban. Et puis dedans, vous avez graphique croisé dynamique. Donc je vais faire ça, graphique croisé dynamique. Par défaut, et là c'est très bien, il me propose un histogramme comme ça, histogramme groupé, et je vais cliquer sur OK. Je vais faire exactement la même chose ici, analyse du tableau croisé. Donc j'ai sélectionné le deuxième TCD, le deuxième tableau croisé dynamique, analyse du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique et ça. Alors ils se ressemblent un peu, mais c'est pas les mêmes. Je vais copier les deux, donc je sélectionne les deux avec le contrôle, je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche au-dessus de contrôle, pardon, et je sélectionne le deuxième, comme ça je les copie et je vais les mettre les deux. Alors je vais me mettre plutôt par là. Et je vais les mettre tous les deux ici. Et ce sera plus simple pour travailler. Là, je vais dézoomer un peu. Et donc là, bah, une fois que je les ai copiés, bah, et collés de l'autre côté, bah, je peux les supprimer ici. J'en ai plus un. Donc moi, je vais me mettre juste de ce côté-là. Hop. Voilà. Je me mets juste de ce côté-là. Avec mes deux graphiques. Et donc, je vais faire plein de petites étapes. Donc vous allez voir, je vais. Que je vais commencer par faire, c'est simplement lui dire, bah, il y a des éléments que je veux pas. Par exemple, je veux pas qu'on voit ce petit effectif et ce petit service en bas. C'est pas très visuel, donc je vais cliquer sur l'un des deux et cliquer sur masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Au cas où vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas à cet endroit-là, vous pouvez le faire en cliquant sur analyse des graphiques pivotants et vous avez, voilà, masqué tout. Vous pouvez le faire par deux chemins. En général, ça fonctionne de faire simplement clic droit, masquer tous les boutons de filtre, les boutons de champ de filtre, je ne sais plus. Donc je fais ça, c'est déjà un peu mieux. Je vais supprimer aussi ça, mon axe horizontal. Je sélectionne et j'appuie sur supprimer. Je vais supprimer mon quadrillage horizontal, mes lignes horizontales. Donc je sélectionne et je clique sur supprimer. Et puis je vais supprimer ma légende, puisque bah, en vrai ma légende elle va être contenue dans mon titre. C'est déjà un peu mieux. Je vais juste regarder à peu près. Donc ici, mon graphique, il fait. Je vais regarder ses dimensions pour prendre la même chose. Je lui ai dit qu'il faisait 7,3 de hauteur et 16,3 de largeur. Donc vous allez faire comme moi, simplement comme moi. 7,3. Et 16,3. Je fais ça simplement pour que tout tienne bien dans ma feuille en ayant une pleine page, un plein écran qui contienne toutes mes données. Donc, hop.
ça, je vais faire pareil, exactement la même chose ici. Clic droit, masquer, je vais masquer ça, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, et je vais mettre les mêmes dimensions, donc 7,3 et 16,3. Alors j'ai un doute sur les dimensions que j'avais prises, est-ce que c'était bien ça? Ouais, 7,3, 16,3. Donc là, c'est parfait, je vais commencer à pouvoir disposer un peu mes éléments. Alors je vais redouble-cliquer ici pour bien voir, je vais disposer un peu mes éléments. Voilà, juste en gros, hein, en très gros, mais voilà, je les mets à peu près comme ça, à peu près, hein, bien entendu. Et je vais changer le fond pour que ces deux graphiques-là ressortent un peu mieux. Donc pour changer le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Affichage, je vais simplement enlever le quadrillage. Donc ça enlève toutes les bordures qu'on voit. Et là, je vais faire un truc. Alors, je ne vais pas le faire sur toute la feuille. Je vais juste sélectionner une grande zone. Je vais prendre, par exemple, jusqu'à la ligne 60. Ça suffit largement. Jusqu'à la colonne. Alors, moi, c'est parti très loin. Jusqu'à la colonne AZ, par exemple. Donc, ligne 60 et colonne AZ, c'est largement suffisant. Et je vais dire que toute cette zone-là, je vais la mettre en gris clair. Alors peut-être en gris un peu plus foncé, en tout cas pour l'instant. En gris, le deuxième niveau dans le blanc, ici, le deuxième niveau de blanc, donc deuxième niveau de gris d'une certaine façon. Je fais ça, et donc là, on voit que mes graphiques bah, ressortent un peu mieux. Ça fait un peu plus Power BI, ça fait un peu plus DataViz, ça fait un peu plus design, on va dire. Chacun ses goûts, hein, bien entendu. Mais ça ressort un peu mieux. N'empêche que bah, c'est très blanc et il y a plein de trucs qui peuvent être améliorés. Donc je vais modifier un peu mes deux graphiques et pour chacun d'entre eux, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais le faire deux fois. Ici, je vais lui dire que, alors, je vais me remettre comme ça. Je vais dire que je ne veux pas que le titre du graphique soit aussi gros. Je vais le mettre un peu plus petit. Et je vais le mettre dans ce niveau de gris-là, qui suffit pour que ce soit pas trop noir, pas trop. Ça me suffit largement à ce qu'on voit les informations sans qu'elles viennent prendre le dessus, sans que la légende, d'une certaine façon, vienne prendre le dessus sur les données. Donc ce niveau de noir là, je vais l'appliquer aussi ici, ce niveau de noir là. Donc je le mets un peu plus clair. Là mon titre, je vais venir le décaler ici. Donc je sélectionne les bordures du titre pour venir le décaler. Je vais le mettre en écrit sur le côté comme ça, partant du côté. Et je vais dire que ça c'est effectif par service. Voilà, c'est légèrement plus visuel et il va nous manquer un gros changement qui va être de mettre bah, les données qu'on a enlevées parce qu'elles étaient dans les axes et dans les lignes. On va les remettre ici, ça va les étiquettes de données. Et puis on va donner un peu d'ampleur à notre graphique en double-cliquant ici. Alors il met un petit message d'erreur parce qu'il veut pas que je passe par ça, donc je vais double-cliquer ailleurs par exemple. Ici peut-être. Voilà. Double-clic jusqu'à ce que j'ai un panneau latéral qui ne soit plus celui des tableaux croisés dynamiques. Une fois que j'ai ce panneau latéral, donc j'ai double-cliqué à différents endroits jusqu'à ce que ce soit bon. Maintenant que j'ai ce panneau latéral, j'ai juste à cliquer sur mes barres là, ce qu'on appelle mes histogrammes, donc mes colonnes. Et je vais aller dans cette icône et je vais dire que je veux simplement 50% d'intervalle entre mes différentes colonnes. Comme ça, bah, mon graphique il a un peu plus d'ampleur, ça fait moins beaucoup de blanc, ça prend un peu plus de place et c'est normal. Parce que c'est ça mon information. Donc je fais ça et puis ensuite je vais me remettre ici. Le petit plus ici, où vous avez plein d'autres chemins, hein, par création, ajouter un élément graphique, c'est la même chose. Là je vais, si vous l'avez, faites comme moi, donc le petit plus, étiquette de données. Par défaut, elles vont se mettre en haut. Et si jamais ce n'était pas le cas, vous cliquez sur Création, ajouter un élément graphique, étiquette de données, et dire bord extérieur. Et voilà, donc dernier truc à faire, je vais sélectionner cette étiquette, je vais cliquer ailleurs, sélectionner mes étiquettes, et je vais les mettre dans cette couleur-là, en gras et en 10, juste qu'elles ressortent un peu plus. Pas beaucoup plus, mais un peu plus, c'est suffisant. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose ici. À peu près, donc rémunération.
salariale, FPS comme ça, par service. Même chose, il me remet le double clic, il me remet un problème, mais bon, il a compris quand même. Du coup, là, je peux mettre 50%. Je vais remettre cette couleur-là, du coup. Hop, ici aussi. Étiquette des données. Et je vais mettre en un peu plus gros, en gras et en bleu. Et du coup, bah là, c'est pas mal, ça ressemble un peu, hein. Bien sûr, il y a peut-être des petites différences, mais non, pas beaucoup. Cette partie-là ressemble pas mal à cette partie-là que j'avais ici, donc à celle-ci. Et c'est exactement ce que je veux, simplement pour l'instant, bah, c'est pas du tout dynamique. C'est pas fait pour être dynamique, tel que ça l'est là, et donc c'est ce qu'on va faire après, juste après, en rajoutant des segments qui vont venir permettre de créer de l'interaction avec nos graphiques et avec nos données. Voilà, donc maintenant qu'on a ces deux graphiques qui fonctionnent, hein, qui nous donnent l'état des lieux de notre effectif de 68 salariés, bah, ce qu'on va vouloir faire, c'est normal, c'est un tableau de bord, c'est fait pour être interactif. Pas une image figée, c'est un tableau interactif. Et du coup, bah, on va créer des segments qui vont nous permettre de faire des focus sur seulement les hommes, seulement les femmes, seulement les personnes d'un service ou d'un autre. Donc pour faire ça, je vais retourner ici, je vais me mettre sur le premier. Moi, je me mets sur le premier. Donc le premier des trois TCD. On pourrait se mettre sur un autre, mais pour plein de raisons, j'ai envie de me mettre sur le premier. Et du coup, analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment. Et du coup, il me propose les segments que je peux insérer. Moi, je vais insérer le segment service et sexe. J'insère ces deux segments. Donc, on pourrait insérer sans problème l'âge, mais il faudrait faire des petits trucs en plus qu'on ne va pas faire dans le niveau 1. Pareil sur la date d'embauche, ça pourrait nous donner l'année d'embauche, etc. On ne va pas le faire là. Donc je vais juste insérer les deux le plus simple, donc service et sexe. J'insère ces deux-là. Je viens les copier. Je sélectionne les deux, je viens les copier et je vais les mettre ici. Hop. Et je viens les supprimer ici. Et donc là, normalement, si j'avais de la chance et que c'était bien fait, et je pense que ça ne va pas être le cas, quand je vais cliquer sur femme, ça a changé ces graphiques-là. Et non, ça ne les a pas changés. Par contre, je peux voir que ici, bah finalement, ça a changé parce que l'effectif, il est plus de 68 personnes, il est de 31 personnes. Et si je change et que je clique sur Homme, ici, il est plus de 31, mais de 37. Donc, c'est-à-dire que mes segments, ils ont bien un effet, mais seulement sur le premier des TCD, sur celui sur lequel ils ont été créés. Heureusement, comme mes TCD, ils ont été créés à partir du même TCD de base, de la même source de données, je vais pouvoir faire clic droit, connexion de rapport, et dire que ce segment est connecté à mes trois tableaux croisés dynamiques. Je vais faire exactement la même chose ici. Clic droit, au mauvais endroit, hop, clic droit, connexion de rapport, et dire que c'est connecté aux trois tableaux croisés dynamiques. Donc maintenant, quand je clique sur Femmes, bah, ça me montre simplement l'effectif par service pour les femmes. Sur hommes, pareil. Et pareil sur les rémunérations totales, la masse salariale ici. Et pareil par service. Et je peux bien sûr cumuler. Hein. Je peux dire, je veux voir les personnes du service juridique et finance qui sont des femmes. Donc, comme dit, bah, il y en a deux dans la finance et une en juridique. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est juste venir paramétrer un peu mes segments pour que ça rende un peu mieux. Et pareil que tout à l'heure, je vais me fonder sur des mesures que j'ai déjà faites avec des petits tâtonnements itératifs, on va dire. Donc je vais regarder la largeur et la hauteur de mes segments. Donc celui-là, il fait 7,5 de large et 2,1 de hauteur. Et celui-là, il fait 7,5 et 4,7. Donc je vais prendre la même chose. Donc dire, le premier, il fait 7,5 en largeur, 7,5. Et 2,1 en hauteur. Et le deuxième, il fait 7,5. Je ne sais plus, 4,7. Je ne sais plus exactement. Donc, je sais que j'ai quelque chose de cohérent. Alors, je vais décaler un peu ça. Voilà, j'ai rajouté une colonne, pardon, pour décaler mes graphiques, où je pourrais juste les sélectionner et les décaler. Hop.
Et du coup, bah, je sais que ces segments-là, bah, ils sont aux bonnes dimensions, simplement, ils ne sont pas encore au bon endroit. Et à l'intérieur du segment, même si à l'extérieur, les frontières sont les bonnes, à l'intérieur, il n'est pas bien paramétré. Parce que ce que je vais vouloir faire, c'est dire que pour ce segment, je veux deux boutons par colonne. J'en ai un par colonne, j'ai une seule colonne, donc un par colonne. Là, je vais dire, j'en veux deux par colonne. Et du coup, j'ai un peu de place, donc je vais augmenter la taille des boutons à l'intérieur. Voilà, je mets 1,1 et ça rentre parfaitement. Ça fait que mes boutons, ils font la bonne taille par rapport à la place que je veux que mon segment occupe. Ici, pareil, donc je clique, si jamais ça vous a échappé, j'ai cliqué sur le segment et ensuite ici sur segment, qui s'appelle peut-être paramètres ou autre chose. C'est la même chose. Et là, voilà, je peux peut-être gagner un tout petit peu. Non, je ne peux peut-être pas gagner de place. Donc, je vais reprendre 0,67, je vais laisser ce que c'était. Et je peux peut-être réduire 4,65, comme ça j'ai très peu de place en bas et c'est très bien, c'est visuel. Et dernier petit changement sur mes segments, je vais les sélectionner tous les deux et sur les deux je vais aller dans segments et je vais prendre une couleur que je préfère qui est la couleur foncée de niveau 1. Donc segment foncé 1 parce que ce sera plus raccord avec le reste des éléments que j'ai dans mon tableau de bord. Donc je fais ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses que moi. Hein. Moi, je fais ça et pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal et ça fonctionne bien. Ce qui est surtout important, c'est que ça fonctionne bien. Je sélectionne par exemple voilà, ces services-là, donc 5 au hasard, et eh bien seulement les données qui correspondent à ces services-là. Si je rajoute que je veux juste les femmes, voilà, j'ai seulement encore les données qui correspondent à ma sélection dans mes segments. Et du coup, là, c'est parfait. C'est parfait pour moi. Et je vais m'arrêter sur cette étape pour pouvoir commencer un truc que j'ai pas encore fait avant d'attaquer les autres tableaux croisés dynamiques et les autres graphiques. Ce que je vais faire, c'est toute la partie qui est en haut avec un petit titre et ensuite des sortes de cartes qui sont des cellules dans lesquelles j'ai des formules. Je vais faire ce truc-là parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Et du coup, je vais l'attaquer en haut en sachant déjà exactement ce que moi je veux faire. Donc, ce que je veux faire, c'est obtenir ici une forme où je pourrais faire autre chose avec un titre, tableau de bord RH 2023. Et puis ici, je vais vouloir obtenir 6 cartes, ce qui donne 6 informations assez générales, assez pertinentes, même si bien sûr on aurait pu vouloir en choisir d'autres, sur l'état de ma population de salariés, de mon effectif de salariés dans la boîte. Donc, objectif, créer cette partie-là, la partie haute du tableau de bord qui va donner des KPIs, donc des indicateurs clés de performance, d'analyse de nos données en général. Donc là, ces KPIs-là, c'est le nombre de personnes qu'il y a, hop, le nombre de l'effectif total en fonction de ce qui est sélectionné ici. Donc par exemple, si je clique sur femmes, évidemment, j'ai que l'effectif des femmes qui du coup devient ces deux données sont égales, bien entendu. On va faire ça et vous pouvez le voir ici. Donc, dans la V2 de ce tableau de bord, on fera avec des cartes créées avec insertion, des formes, etc. Là, j'ai fait plus simple que ça. J'ai fait avec simplement des cellules et un tout petit peu de formatage de cellules très très simple. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les dimensions que j'ai ici. Donc, j'ai par exemple ici, ça fait 2,1 de largeur. Hop. Largeur normale, largeur normale. Ah non, un peu plus court, 9. Et ici, j'ai 1,71. Et ensuite, je recommence. C'est juste pour que ça fasse visuellement quelque chose de bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, alors, vous pouvez le faire à la main. Simplement, je vais le faire en début un peu à la main ici. Donc, si je me mets ici, donc largeur 2,1, la largeur normale. Donc, je clique sur la colonne, pardon. Clic droit, largeur de colonne, 9 et 1,7. 1,7. Évidemment, on ne va pas le faire 150 fois. Hein. Alors là, je vois bien que mon graphique il s'est rétréci. Il y a plein de trucs qui ont changé. Donc, donc, je vais juste remettre les bonnes dimensions ici. Donc je sais que c'était 17,5.
1,3. Et maintenant, avant de refaire des changements, parce que ça reposerait des problèmes, non, c'était 7,3 ou c'était autre chose? 16,3, pardon, je me disais que c'était trop grand. 16,3. Et avant de refaire des changements de largeur de colonne qui me redemanderait de faire ces mêmes manips, je vais tout sélectionner. Donc, je sélectionne une forme, clic droit pour sélectionner toutes les formes. On va peut-être à le faire plusieurs fois. Et je vais faire taille et propriété. Donc, clic droit, taille et propriété. Et dire que toutes ces formes-là, je veux qu'elles ne se changent pas, qu'elles ne se déplacent pas, ou s'étendent pas, ou se rétrécissent pas. Si jamais je change des cellules, la taille des cellules, que je rajoute des cellules, des lignes, des colonnes, etc. Donc je veux dire ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Je sélectionne cette option-là. Et maintenant vous allez voir que quand je fais exactement la même chose que ce que je viens de faire, donc quand je dis bah ça fait à nouveau 2,1, bah là mon graphique il change plus, donc ça va me permettre de travailler avec beaucoup plus de sérénité. Sur tous les objets que j'ai déjà créés, donc tous les graphiques, les segments, etc. que j'ai déjà créés. Donc moi, plutôt que de le faire 10 fois, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le copier, le coller là, le coller là, le coller là, là, et là. Donc je le colle 5 fois, 6 fois, parce que je sais que j'ai 6 cartes ici. Et pour chacune d'entre elles, d'ailleurs j'aurais pu faire, donc je vais refaire sans doute, chacune d'entre elles, je vais mettre en blanc. Ou aucun remplissage, ou blanc, n'importe. Et ici, je vais mettre en cette couleur-là, donc la couleur de fond qu'on avait pris. Et je vais modifier les hauteurs de lignes. Donc, je vais dire que par exemple, ces deux lignes-là sont un peu plus petites. Elles font par exemple que 10 de haut. Les deux lignes qui sont au-dessus et en dessous de ma valeur. Et celle-là va faire plutôt 30 de haut. Je crois que si je fais ça, je suis raccord avec ce que j'avais là. Ouais, j'ai l'impression d'être raccord avec ce que j'avais là. Et donc maintenant, en vrai, je vais refaire mes copier-coller. Je vais faire ça partout. On voit pas bien, mais c'est fait partout. Ici, celle-là, je me suis trompé. La première, hop, ici, vous allez faire mieux que moi parce que vous n'allez pas vous tromper, parce que vous avez déjà vu mon erreur. La première, n'est pas en blanc. Donc on a en blanc que à partir de ça. Et donc là, je vais pouvoir rentrer mes informations. Donc effectif, effectif femme, donc effectif, j'écris effectif femme, effectif homme. Moi, je saute une ligne en appuyant sur Alt Entrée. Donc j'écris effectif, j'appuie sur Alt Entrée, ça saute une ligne et ensuite j'écris homme. On pourrait faire autrement en utilisant ça, ça fonctionnerait très bien aussi. Âge moyen. Rémunération. Non, rémunération, ça va être long. Rému, c'est une ligne totale. Et rému, c'est une ligne moyenne. Tout ça, je vais venir simplement faire un tout petit peu de mise en forme sur ces trucs-là. Donc, le mettre, alors je vais commencer, je vais mettre juste un peu de retrait ici, le centrer en haut de la cellule, la ligne au centre de la cellule, pardon, entre verticale et horizontale, et mettre la même couleur qu'on a mis à chaque fois, donc cette couleur-là qui est un peu plus agréable à voir. Donc là j'ai ça, et puis maintenant ici je vais dire ça, je veux que ce soit égal à quelque chose qu'on a déjà calculé et qui est déjà lié à nos segments ici. Donc l'effectif, bah on l'a déjà calculé ici. Et je vais simplement hop, le mettre en gras qu'on voit bien. Donc en 18, est-ce que c'est ce que j'avais pris? Je pense que en 20. Voilà. Je vais le mettre en 20. Donc là, ça fonctionne bien. Alors je vais mettre peut-être une couleur légèrement plus claire, sinon ça ne ressort pas assez bien. Donc voilà. Je mets une couleur légèrement plus claire. Et puis là, plutôt que de le refaire à chaque fois, je vais simplement copier et coller à chaque endroit. Donc, c'est pas encore parfait, hein, bien entendu. Là, pour les deux derniers, ma largeur, ça va être 22. Parce que bah, c'est des montants, donc ça va être un peu plus gros. Donc, ces deux dernières colonnes, ça va être 22. Largeur 22 au lieu de 9. C'est à peu près bon, hein, il y a des petits défauts. Et du coup, âge moyen, je sais que je peux venir le récupérer en faisant. Je supprime ce qu'il y a, je fais égal
Je vais venir sélectionner ici cette cellule-là qui donne l'âge moyen. Je vais mettre en format, non, comme ça, très bien, standard, c'est très bien. La rémunération, pareil. Total et la rémunération moyenne égale. Et donc sur ces deux cellules-là, je vais venir modifier le format pour mettre en monétaire, sans décimale et l'aligner plutôt un peu à droite. Donc à droite avec un peu de retrait. Donc là, c'est pas mal. Ces informations-là, pour l'instant, je ne suis pas encore capable de les calculer. Donc je vais mettre X et Y. Je ne suis pas capable de les calculer parce que je vais devoir faire un TCD, un autre tableau croisé dynamique, qui va faire la répartition, la segmentation homme-femme. Pour l'instant, dans mes tableaux que j'ai déjà créés, qu'on voit ici, j'ai aucun endroit où ça calcule le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Donc je vais le faire après, et c'est ce qui va m'aider notamment à faire ce graphique-là. Ce graphique qu'on voit ici. Donc pour l'instant, en tout cas, j'ai ça. Et puis je vais faire un autre truc que je n'ai pas fait, c'est simplement la partie qui est ici, où il y a marqué tableau de bord RH 2023. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça et ça. Alors, qu'est-ce que. Alors attendez, je réfléchis. Alors là, je l'ai fait avec une forme. Je ne vais pas le faire avec une forme. Je vais faire légèrement différemment. Ça ne change pas grand-chose. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tiens, ces colonnes-là, j'en ai pas besoin. Les colonnes qui sont là, j'en ai pas besoin. Par contre, la taille des autres colonnes, bah, ce n'est pas la bonne. Ici, la première, je voudrais qu'elle fasse juste 3 de large pour laisser une petite marge. Et celle-là, je voudrais qu'elle fasse la même taille que mes segments. Donc qu'elle fasse 40 de large. C'est-à-dire que là, je vais dire clic droit, largeur 3, clic droit, largeur 40. Et maintenant, je peux sélectionner tout ça, fusionner et centrer. Je vais mettre ma couleur de référence qui est ma couleur bleue. Je vais écrire en blanc, en gras dedans, et mettre tableau de bord RH. Alors, vous pouvez mettre un tiret. Moi, j'aime bien mettre une barre comme ça. Sur le clavier, c'est au niveau du 6, donc c'est Alt-Gr6 si vous êtes sur Windows. Sur Mac, je ne sais pas exactement comment la mettre, donc vous pouvez la copier-coller ou mettre un tiret à la place, n'importe. Et 2023. Et ça, je vais venir augmenter la taille de ça. Et puis voilà, ça me paraît peut-être pas mal comme ça. Alors, comme ça, c'est très bien. Donc, tableau de bord RH 2023, c'est la même chose que ce que j'ai là. Et la partie qui est après RH. Je vais enlever le fait que ce soit en gras. Comme ça fait un petit effet visuel un peu plus agréable, un peu plus tableau de bord RH, c'est l'information principale. Et 2023, c'est la variante qu'on a créée en 2023 de ce tableau RH. Donc ça permet de mettre un peu ça. Mais bon, c'est juste des effets légèrement design qui permettent de rendre un peu plus belles nos données. Mais ça, évidemment, ça ne change pas le contenu. Que ce soit en gras ou pas en gras, ça change rien. Donc j'arrête là parce que là, ce qu'on a fait, n'oubliez pas de sauvegarder hein, d'ailleurs, mais ce qu'on a fait, c'est vachement bien pour avoir des informations générales qui vont changer en fonction de ce qui est sélectionné. Donc je peux voir que par exemple, l'âge moyen des femmes, c'est 39 ans, l'âge moyen des hommes, c'est 35,5 ans. Donc il y a quand même un petit décalage. Que la rémunération moyenne des hommes, pardon, c'est 55 000. Et que la rémunération moyenne, c'est 62 000, qui peut s'expliquer pour plein de trucs différents, elles ne sont pas dans les mêmes services, etc. Mais aussi par l'âge, peut-être, et sans doute, du coup, peut-être aussi par l'ancienneté. Cet écart-là, même si moi, ce que j'ai créé, c'est simplement une base fictive de 68 personnes. Donc voilà pour ça, et puis la prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va créer les autres tableaux croisés dynamiques et les autres graphiques qui vont nous permettre d'obtenir la totalité de ce tableau de bord-là, avec notamment ici une répartition homme-femme, ici un nombre d'années d'embauche par année depuis le début, donc depuis 2016 jusqu'à 2023, combien il y a eu d'embauches, et on voit que ça augmente, et la pyramide des âges de 10 ans en 10 ans, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont entre 20 et 29 ans, et entre 30 et 39 ans, que le reste des autres tranches d'âge. Donc là on a ça et c'est pas mal. On va avant de créer les TCD et les GCD, donc graphiques croisés dynamiques qui nous manquent, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un tout petit peu d'alignement parce qu'on voit que là il y a des erreurs d'alignement. Donc
Je vais faire ça, je vais me mettre là pour vérifier que ça c'est bien aligné avec mon graphite là. Et puis ensuite je vais le mettre en dessous. Donc un peu au jugé, hein. Bien sûr on pourrait faire mieux, mais je vais le faire un peu au jugé, c'est très bien. Voilà. Hop, je vais le faire pareil ici. Je sélectionne les deux, aligner à droite, comme ça ils vont être alignés l'un avec l'autre par rapport à celui-ci. Et là, je peux le déplacer un peu. Voilà. Hop. Pour qu'il soit aligné avec ce graphique-là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ces segments, alors c'est pas au millimètre près, là je travaille pas du tout au millimètre près, sont bien alignés à peu près avec ça et avec ça. Donc, avec le graphique qui est là. Et donc là, bah, juste ces deux graphiques-là, pareil, je vais les aligner par rapport. Hop. Voilà, à mes cartes qui sont ici, qui sont dans des cellules. Donc je fais ça et c'est pas mal. Je vais juste, hop, dernier truc, celui-là je vais le décliner un petit peu, format. Je vais sélectionner les deux, donc celui-ci et celui-ci, les deux graphiques-là, alignés à gauche. Comme ça ils sont bien alignés au poil, au millimètre. Et donc là c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que bah, je vais retourner dans la feuille calcul et refaire des TCD pour obtenir des graphiques qui manquent. Qu'est-ce qui me manque comme graphique? Graphique qui me manque, c'est celui-ci, l'effectif par sexe, avec juste homme-femme et en pourcentage, le nombre d'embauches par année et l'effectif par âge et par sexe. Donc la pyramide des âges, par groupe d'âge et par sexe. Donc je vais me concentrer déjà sur celui-là, puis celui-là, puis celui-là, que je vais appeler graphique 3, 4, 5, même si on pourrait les avoir fait différemment. Donc je sélectionne ça. Tiens, dire que je veux aussi que ça fasse 3, non. Là, du coup, graphique 3. Les services, j'en ai pas besoin. Ce qui est important pour moi, c'est les sexes. C'est sexes que je vais mettre en ligne. La rémunération, j'en ai pas besoin. Alors, pardon, je vais me mettre là. Ce que je vais vouloir, c'est le nombre de personnes. Donc, je vais prendre matricule et les mettre en valeur. Et du coup, là, j'ai ma répartition. Alors, je vais mettre effectif ici, par service. Parfait, donc je vais prendre ça à nouveau. Le copier. Graphique 4, c'est par année d'embauche. Donc je peux enlever ça et je vais garder quand même mes effectifs ici, mes matricules dans mes valeurs que j'ai renommé effectif. Et je vais dire que ce que je veux calculer, c'est la date d'embauche. Ce que je veux qui va me permettre de créer des lignes, c'est la date d'embauche. Si je fais ça, vous voyez qu'il a pris un peu de temps. Il a pris vraiment beaucoup de temps d'ailleurs parce qu'il a calculé. Voilà, alors on ne voit pas bien, je vais agrandir. Il a calculé parce que dès que c'est des dates, bah Excel va réfléchir tout seul. Comme une table de dates dans Power Query ou dans Power Pivot ou dans DAX, il va vraiment nous simplifier la vie. Il reconnaît que c'est des dates, donc il est capable de faire des calculs. C'est-à-dire que au lieu de me mettre simplement la liste des dates, il m'a fait un calcul sur l'année, le trimestre, le mois et la date, ce qui fait que ici bah, j'ai des groupes qui contiennent toutes mes dates. Tout ça, bah, c'est un peu en trop, parce que j'ai pas besoin d'autant de trucs, moi je vais juste prendre l'année. Donc ça veut dire que ici, date embauche mois et date embauche trimestre, je vais les enlever. Je vais venir les remettre là pour garder que l'année. Et comme ça, bah, mon année, ça me permet bien de voir que bah, les 68 personnes qui sont dans la boîte là ont été recrutées. En 2016, en 2017, j'avais pas besoin d'informations supplémentaires à part l'année. C'est largement suffisant comme info. Dernier tableau croisé dynamique à créer, c'est celui-ci qui va donc celui qui va nous permettre d'obtenir ça, la pyramide des âges, qui va nous permettre d'avoir des tranches d'âge pour savoir par sexe combien il y a de personnes de chaque tranche d'âge dans l'effectif total de l'entreprise. Donc là, on voit la répartition, je vais me mettre sur le côté. La répartition, c'est il y a quand même plus de monde au global entre 20 et 29 ans, un peu moins entre 30 et 39. On voit qu'il y a 19 personnes ici. Et puis après, un peu moins encore quand on remonte. Et pareil, moins de 20 ans, il n'y a qu'une seule personne et c'est un homme. On le voit que c'est de ce côté-là, donc c'est un homme. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est ça. Donc je vais faire encore une fois, je prends ça. Et ici, je vais venir enlever année, je laisse effectif et je vais venir mettre âge. Voilà, âge dans les.
Alors c'est déjà fait et pour vous ce sera déjà fait aussi. C'est déjà fait parce que une fois que j'ai créé un groupe, alors qu'est-ce qui est déjà fait? C'est que ici au lieu d'avoir les âges, j'ai déjà des groupes d'âge. Parce qu'une fois que j'ai créé un groupe, et c'est le cas puisque vous avez sans doute, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais vous avez sans doute la même version que celle que moi j'utilise là. Et du coup j'avais déjà créé ces groupes-là parce que sinon on n'aurait pas cette pyramide-là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les enlever, je vais dégrouper, je vais dissocier ici. Du coup, là, j'ai tous mes âges, donc 19, 20, 21. Je vois que j'ai personne de 22 ans, donc je passe de 21 à 23. De 20, il y a sans doute beaucoup d'autres sauts aussi. Peut-être de 42 à 45, c'est-à-dire que j'ai de 41 à 45, j'ai personne de 42, 43 ou 44 ans, ni de 46 ans. Donc voilà, il y a plein de sauts. Il y a personne de 18 ans, personne de 63 ou 64 ans, ni de 61. Donc il y a plein de sauts. Effectivement, et c'est normal. Et ce que nous, on va faire, c'est qu'on va les grouper. Et juste de manière générale, que vous le sachiez, quand vous faites un groupe ici, donc ça va être clic droit, grouper, quand vous faites un groupe, ça s'applique sur tous les TCD qui sont liés à la même base de données. Ce qui veut dire que ici, j'avais déjà des TCD et c'était déjà groupé, bah, ça s'est dégroupé. Et pareil, mon tableau de bord, c'était groupé par tranche d'âge de 10 ans en 10 ans, et ça s'est dégroupé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un groupe ici et ça va se réappliquer partout. Donc, clic droit sur l'un des âges, grouper. Au cas où, vous allez faire peut-être clic droit, l'un des âges, grouper. Si ça vous renvoie une erreur, impossible de grouper la sélection, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez créé votre TCD, vous l'avez ajouté au modèle de données. Donc, vous avez fait une manip qui fait qu'il y a plein d'options qui vont s'ouvrir. Mais que celle-ci se ferme. Et pour la recréer, bah soit vous allez le faire en Power Pivot. Vous connaissez un peu Power Pivot et du coup vous allez aller dans Power Pivot, gérer et créer une catégorie qui va venir se rajouter ici, tranche d'âge. Soit si vous ne savez pas le faire, malheureusement, et que vous avez ce blocage, vous allez supprimer sans doute tout ce que vous avez fait. Alors j'espère que vous n'avez pas fait cette erreur-là, au cas où. Vous l'avez fait, bah peut-être arrêtez-vous là, vous avez déjà bien bossé. Vous ne ferez pas ce graphique-là. Vous ferez une pyramide des âges sans groupement. Mais sachez-le, donc les groupes qu'on peut faire dans un TCD ne sont possibles que si on n'a pas ajouté le TCD au modèle de données. Donc si on ne l'a pas ajouté à Power Pivot d'une certaine manière. Et si on l'a ajouté à Power Pivot, à ce moment-là, il va falloir passer par Power Pivot pour recréer ces groupes-là, et c'est pas ce que je vais montrer dans ce fichier. Bref, tout ça étant dit, normalement, il y a plein de chances pour que quand vous fassiez clic droit et grouper, vous ayez ce petit encart qui apparaît. Ce petit encart me permet de faire des groupes automatiques. Il me propose de 10 ans en 10 ans, en partant du début et en arrivant à la fin. Ce serait pas mal, je peux cliquer sur OK. Mais du coup, je vais de 19 à 28, de 29 à 38, et ça fait un peu bizarre. Donc, je vais revenir en arrière et ne pas faire ça. Je vais faire clic droit, grouper, et je vais dire que je pars à 20, pour partir d'un nombre rond, et que je termine à 60, pour terminer à un nombre rond. Et vous allez voir que ça va faire exactement ce que j'avais avant. Donc, inférieur avant, tout ce qui est avant. Peu importe si quelqu'un avait 3 ans, ça ne change rien, ce serait avant. Et tout ce qui est après, peu importe s'il y a quelqu'un qui travaille encore à 60, à 85 ans, il serait dans cette catégorie, donc dans ces deux catégories qui sont avant mes groupes et après mes groupes. Donc là, j'ai ça et c'est parfait. On peut voir ici que ça s'est remis bien, et c'est parfait. Et du coup, maintenant, j'ai tous mes 3 TCD qui vont me permettre de faire mes 3 graphiques qui manquent. Donc je vais les prendre un par un. Analyse tableau croisé dynamique, graphique, et là je vais faire en secteur et en anneau. Je vais le laisser de côté pour l'instant. Analyse tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Je vais faire en histogramme, parfait. Et puis le troisième. Alors, le troisième, il manque quelque chose. Troisième, il manque quelque chose, c'est que ce que je voudrais, c'est pas une pyramide des âges simple, c'est hommes et femmes séparés. J'ai oublié de faire quelque chose que je vais faire maintenant. Je vais mettre en colonne mes sexes. Ce qui veut dire que je vais avoir une colonne pour les femmes, une colonne pour les hommes. Là, je vais mettre sexe.
Et ce qui fait que si je fais un graphique, analyse du tableau croisé limite graphique, et que je fais un graphique en barre, là on va représenter ça de manière horizontale, bah je vais avoir pas comme à chaque fois une seule série de données, mais deux séries de données. On voit qu'ici ma légende c'est plus total, c'est homme-femme, c'est la séparation homme-femme. Donc voilà, j'ai créé mes trois graphiques et je vais aller les mettre dans le lot de feuilles. Sélectionne ici. J'ai copié les trois, je vais les supprimer. Donc j'ai fait clic droit, je les ai sélectionnés tous les trois, j'ai fait CTRL-C, je vais supprimer ici et les mettre directement là. Et puis maintenant, je vais simplement les disposer. Donc je sais que hop, je vais sélectionner ça et ça pour bien les aligner. Aligner là-bas. Non, je vais agrandir ça. Je sais que ici, ça doit faire. C'est déjà ce que j'ai fait. Je sais que ça doit faire 7,3 de hauteur et en largeur 7,5 pour avoir exactement la même chose que ce que j'ai ici. Je vais enlever des éléments après, mais pour l'instant, je vais juste les mettre aux bons endroits. Alors ça, en vrai, je vais le supprimer pour l'instant. Donc celui-là, pareil, je vais faire pareil. Donc je vais sélectionner ces deux-là, format de la forme, aligner en haut. Et là, je vais le faire aller jusqu'au bout. Donc peut-être un peu de marge, mais on va voir. On va faire comme ça. Donc là, ça fait quelle longueur? Ça fait 7,3 et 16,7. Je vais laisser comme ça, je pense que c'est bien. Et là, donc pareil, je me mets là. Je vais l'aligner en haut pour que ce soit à la même hauteur que là. Et l'aligner hop, à gauche pour que ce soit à la même distance de la gauche que là. Et du coup, là, j'ai à nouveau 7,3 et 16 et 17,3, j'ai un doute. 16,7, pardon, je me suis tellement trompé, 16,7. Hop, ce qui fait que si je me mets comme ça, bah mon tableau de bord, il commence à ressembler à ce que je veux. Il me reste des petits défauts, des petits trucs à changer. Je vais le faire sur ces trois graphiques-là, mais j'arrive au bout, et normalement, alors peut-être que c'est pas encore le cas, je vais faire un test. Si je clique sur femme, je refaire, du coup, bah tiens, ça va être l'occasion. Donc, connexion de rapport, je vais tout resélectionner. Moi, ça s'est désélectionné à un moment, donc je vais tout resélectionner. Hop. Il me propose de sélectionner cela. Alors, je vais sélectionner. Pardon, tous ceux qui sont dans ma feuille de calcul 2, on ne voit pas bien, mais je vais agrandir que vous voyez bien. Tous ceux qui sont dans ma feuille de calcul 2, parce que ma feuille de calcul 1, c'est la version que. Enfin. Non, attendez. Oui, voilà. C'est ma feuille calcul de base, c'est ce que moi j'avais déjà préparé. Donc on va prendre que ceux qui sont dans calcul 2. Si vous avez que calcul 2, c'est très bien. L'appareil, clic droit, connexion de rapport. J'ai exactement le même problème. Donc je vais sélectionner que cela. Et donc normalement, si je clique sur Home, ouais, tout change, c'est parfait. Si je clique sur le service marketing, pareil, tout change, c'est parfait. Et donc maintenant, je vais m'attaquer à les seuls trucs qui manquent. Donc, modifier mes graphiques. Et je vais commencer. Alors, je vais commencer par celui-là parce que c'est le plus simple. Ça, je vais le fermer. Et je vais faire les mêmes modifs que j'ai fait à chaque fois. Masquer. Ça, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Ma légende. Mon titre, pardon, je vais le mettre dans ce gris-là. Donc, je vais un peu vite parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Donc, vous connaissez. On l'a déjà fait deux fois ensemble. Et là, ça va être nombre d'embauches par année. Et on voit bien que c'est ça qu'on a. On a les dents embauches de 2016 jusqu'à 2023. Je double-clique ici. Si jamais vous avez une erreur, double-cliquez ailleurs sur le titre ou ailleurs. Ça fonctionnera au bout d'un moment. 50%. Alors ici aussi, je vais mettre, comme j'ai fait partout, un gris plus clair. Et ici, plus, étiquette de données. Elles se mettent au-dessus. Et je vais les mettre en bleu, en 10 et en gras. Parfait pour ça.
Maintenant, pareil ici, clic droit, masquer. Ma légende, je vais la supprimer aussi, je vais mettre des icônes à la place. Au cas où, vous pouvez simplement la mettre ailleurs, mais faut la mettre en bas, donc vous pouvez faire hop, légende. Des fois, je bloque légende, dire que c'est en bas, par exemple. Un peu plus visuel, moi je vais faire encore autrement, mais pour l'instant je laisse comme ça. Donc ce gris-là en 11. Ça va être effectif par 6. Et je vais modifier encore un peu ça, donc pas l'espacement, pas l'intervalle, mais simplement, je voudrais que l'épaisseur de l'anneau soit un peu plus épaisse, donc je vais mettre par exemple 60. Alors, bizarrement, vous diminuez l'épaisseur de l'anneau, ça augmente l'épaisseur de l'anneau parce que ce que Excel a l'air d'appeler l'anneau, c'est le disque au milieu et pas l'anneau autour. Donc voilà, je fais ça, et puis pareil, étiquette de données, je mets comme ça. Alors on voit que c'est un peu petit, c'est pas grave, je vais augmenter. Je vais dire que ce que je veux, c'est pas la valeur, mais le pourcentage. Que encore une fois, je veux que ce soit un peu plus grand, en gras. En 10, en blanc et en gras. Et là, je vois que mon anneau, il est quand même un peu petit, c'est-à-dire que je perds pas mal de place. Bah, je vais supprimer ma légende. Déjà, mon anneau est un peu plus grand. Et puis, je vais sélectionner, voilà, à un endroit jusqu'à avoir ça, et je vais agrandir un peu cet anneau-là. Hop, et le recentrer après coup. Pas très important, on pourrait faire autrement, mais c'est toujours un peu mieux. Voilà, je vais le centrer à peu près, hein, à peu près, c'est suffisant. Je dis à peu près, j'essaye de faire en millimètres. Là, et donc je vais mettre à l'intérieur de ça des petites icônes. Si vous ne les avez pas, allez les prendre directement ici. Sinon, bah, vous faites abstraction et vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais les prendre justement dans insertion, illustration, icône. Et je vais taper simplement homme et femme. Je vais prendre ça parce que c'est reconnaissable. Alors, peut-être pour changer. Ah non. Oui, non, je vais prendre ça. Homme. Maintenant, je vais taper femme. Et prendre ça. Alors, désolé, c'est très stéréotypé, hein, mais évidemment, les hommes sont pas tous en pantalon, les femmes sont pas toutes en jupe. On fait avec ce qu'on a. Hein. C'est Microsoft. C'est sûr qu'il y a aussi plus moderne dans certains aspects, mais. Et je vais les mettre juste côte à côte pour l'instant. Donc je vais aligner, aligner en bas. Je vérifie bien que ici j'ai mes hommes. Hein. Voilà. Hommes, c'est de ce côté-là. Donc je vais faire ça. Je vais te regarder. Est-ce que je suis bien au centre? Voilà. Là, je suis bien au centre. Me mettre au centre comme ça aussi. Dire que les deux, je les veux de cette couleur-là. Et bien sûr, bah, les hommes, je vais les passer dans l'autre couleur. Donc c'est la couleur d'après. Voilà. Donc. Moi j'ai fait légèrement différemment. Ici j'ai rogné les formes et tout. Je ne vais pas le faire là, comme ça je termine cette vidéo en peu de temps. Et puis je le ferai surtout dans la V2. Sachant que si vous voulez rogner, bah, c'est format, graphique, rogner. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des demi-personnages. Et c'est plus simple. Et puis ça, je l'ai fait, je vais le faire. Je vais le copier et je vais le mettre ici. En beaucoup plus petit, donc je vais réduire cette taille-là. Et là, du coup, je ferai la même chose. Juste avant de les placer définitivement, je vais faire le travail de mise en forme ici aussi. Donc je me mets là, clic droit, masquer, la légende, je la supprime. Ça, ces barres horizontales, je les supprime. Et ici, je vais dire que c'est plus clair. Ici, c'est plus clair. Et là, bah, il m'a pas mis de graphique. Il m'a pas mis de titre. Donc, je vais rajouter un titre. Titre du graphique. Que je vais faire comme à chaque fois. Je le mets en haut. Non. Et donc, ça, je vais l'appeler effectif par tranche d'âge et par sexe. Est-ce que c'est bien ce que j'avais mis? Ce serait pas très grave si c'est pas le cas, mais on va vérifier. Effectif par âge et par sexe. Alors je vais reprendre la même chose.
Je l'ai trop effacé. Alors, il n'a pas aimé du tout que j'efface. Hein. Il m'a tout enlevé, je dois tout refaire, c'est pas grave. Effectif par âge et par sexe. Voilà, automatiquement il se replace bien, ou à peu près bien, c'est assez bien fait. Et du coup, bah, là j'ai l'un de mes derniers défis, quasiment mon dernier défi, mon avant-dernier défi, c'est que ici je voudrais que ça fasse exactement la même chose que là. Que j'ai d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Bon, ouais, c'est pas ce que ça fait pour l'instant. Je vais faire déjà des modifs qu'on connaît. Je vais dire que la largeur de l'intervalle est 50%. Ça va me faire des barres un peu plus épaisses. Maintenant, il va falloir que je trouve comment faire pour que on ait d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes et que ça fasse une symétrie exactement comme ici. Pour faire ça, donc il y a plein de méthodes. Là, je vais en prendre une qui est moins longue que beaucoup d'autres et pas forcément la plus visuelle, mais qui est facile à mettre en place. Alors, sachant qu'il y a vraiment plein de solutions pour ça et que toutes sont du bricolage parce qu'il n'y a rien de parfait dans Excel pour ça. Donc, ce que je vais lui dire, c'est je vais cliquer ici jusqu'à avoir ce panneau latéral. Ce panneau latéral me dit que ça va de 0 à 16. Je vais dire que c'est plutôt de 0 et je vais prendre de la marge à 20. Et comme ça arrête d'être en automatique en fonction des valeurs qu'il y a. Donc, c'est-à-dire que ce sera tout le temps de 0 à 20. Je vais dire aussi un autre truc. C'est que je vais lui dire que je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner l'une des. Soit les hommes, soit les femmes. Donc là, je vais prendre par exemple les hommes. Est-ce que ça, c'est les hommes? On ne le voit pas. Voilà. Je vais prendre cette barre-là. La barre un peu plus claire, c'est les hommes. Je vais dire que ça, c'est un axe secondaire. C'est-à-dire que les deux ne vont pas être sur le même axe. Et on voit qu'on a de 0 à 16 et de 0 à 20 ici. Ici, je vais cliquer sur ça et à nouveau. Je vais dire de 0 à 20. Sauf que ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça c'est en ordre inverse. Vous voyez que maintenant il y a une barre, enfin les barres bleues foncées vont d'un côté, les barres ce bleu-là vont vers la droite, les barres de ce bleu vert-là vont vers la gauche. Le problème, c'est qu'elles ne partent pas du même point 0. Ici, le 0, il est tout à droite, et ici, le 0, il est tout à gauche. Alors, je vais changer ça en mettant ici, je ne pars pas de 0, mais de moins 20. Et je vais le faire pour les deux. C'est-à-dire que ici, c'est de moins 20, et ici, ça va être aussi moins 20. Et du coup, bah, ça fonctionne. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Je vais supprimer ça. Supprimer ça. Et ici, bah, comme on ne le voit pas bien, je vais mettre légèrement plus foncé. Donc je vais mettre plutôt ce foncé-là, ce niveau de foncé-là. Je vais rajouter mes étiquettes de données. Étiquettes de données. Donc hop, pareil ici, étiquettes de données. Je sélectionne ça, étiquettes de données. Elles sont déjà bien positionnées. Je vais juste mettre la bonne couleur. Bonne couleur, gras 10. Bonne couleur. Gras et taille 10. Presque parfait. Mais il y a un défaut. On ne peut pas le voir. Alors, presque parfait d'après mes goûts. Hein, mais je vais réduire ça juste. Voilà, je vais faire ça. Il y a un défaut, donc je vous conseille de ne pas de pas le tester. Tentez pas le diable. Pour l'instant, le défaut que j'ai. Hop. Le défaut que j'ai, c'est que si jamais. Je sélectionne homme ou femme, et que j'ai plus que l'un des deux, bah, tout mon paramétrage va rater. En tout cas, une partie de mon paramétrage va s'effacer. Donc, ce qu'il faut que je lui dise, c'est que ce graphique-là, qui est lié à mon tableau croisé dynamique, que j'ai ici appelé graphique 5, mais qui en réalité, on peut le voir peut-être en faisant clic droit, option, s'appelle tableau croisé dynamique 7. Donc, je ne l'ai pas renommé, il s'appelle tableau croisé dynamique 7. Ce graphique-là, il ne faut pas qu'il soit impacté par homme-femme, sinon ça viendrait casser cette mise en forme qu'on a déjà créée. Donc ici, je vais faire clic droit, connexion de rapport, et je vais lui dire que
le tableau croisé Dynamic 7 n'est pas impacté par le segment homme-femme. Ici, le segment des sexes. Comme ça, j'aurais bien quelque chose de dynamique, mais pas en fonction des hommes et des femmes, puisque de toute façon, c'est comme ça que je vais représenter mes données. Donc là, si je fais homme ou femme, vous allez voir que ça ne change rien. Ici, par contre, ça change bien, évidemment, pour tout le reste. Commercial, ça change. Développement, ça change. Tout change. Il n'y a que homme-femme qui a de l'impact sur tout, sauf sur ce graphique, et donc pas non plus sur ce TCD-là. Voilà, donc là on a 99% fini. Je vais faire le dernier truc dans la foulée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un truc qu'on n'a pas fait. Le seul truc qu'on n'a pas fait, il me semble, je vais vérifier quand même, hop. Ouais, ça me semble être bon. Donc le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est ici, X et Y. On ne les a pas recalculés. Donc on a mis un X et un Y, donc l'effectif femme et l'effectif homme. Faire ce qu'on avait fait déjà, mais on n'avait pas encore créé les TCD, de répartition homme-femme. Effectif femme, c'est là. Égal effectif homme, c'est là. Là, ça fonctionne bien. Et j'en profite pour vous montrer. Du coup, ici, à chaque fois, je fais juste égal et cette cellule. Et si dans une cellule, il y avait marqué, donc, si je reprends, si je prenais la cellule qui est ici, ça m'écrirait simplement dans le nom de la feuille, point d'exclamation, l'adresse de la cellule, donc par exemple A1. Mais quand on fait ça sur des données qui sont dans un tableau croisé dynamique, ça nous crée une formule qui vient nous donner des paramètres pour trouver, quelle que soit la façon dont évolue ce tableau-là, nous donner la valeur qui est à l'intersection, et notamment la valeur qui est à l'intersection de matricule et femme pour le sexe. Bah, c'est là, elle peut changer de ligne ou changer de colonne ou changer de plein de choses en fonction de ce qui est sélectionné ici. Et donc, c'est important de laisser ça, vous n'avez rien à faire, simplement c'est une fonction qui est hyper intéressante, qui a plein d'avantages, qui va être très très efficace pour faire des tableaux de bord. Cette fonction-là, lire top croise dynamique, vous n'avez besoin de rien faire. Et vous allez voir qu'il y a encore un mini défaut, c'est quand vous cliquez sur femme, comme il n'y a pas d'homme, ça met 0 parce qu'il ne trouve rien à l'intersection de la colonne homme du tableau croisé dynamique qu'on a mis. Effectif, de la ligne homme. Il n'y a plus de ligne homme ici. Du coup, il est perdu. En vrai. Il ne sait pas quoi faire. Et comme il est perdu, bah, on va l'aider à se retrouver en mettant une fonction siError pour dire en cas d'erreur, met 0. Donc c'est une fonction qui, on prend tout le calcul qu'on avait fait. Et on le met dans un si erreur pour dire en cas d'erreur, qu'est-ce qu'on met? Donc si erreur, on ouvre la parenthèse, voilà le calcul qu'on va faire. Et si ce calcul-là renvoie une erreur, ben on met 0, point virgule 0 et on ferme la parenthèse. Exactement la même chose ici. Si erreur, on se met à la fin, point virgule 0. Normalement, vous n'avez pas besoin de le faire pour les autres, parce qu'il n'y a aucun cas où ça devrait arriver. Mais au cas où, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter là, là, là et là. Et voilà, donc là, on a un tableau croisé. Tiens, je vais faire ça, hop. On a un tableau de bord, pas parfait, mais assez bien, qui nous donne plein d'indicateurs en fonction de ce qu'on choisit, de ce sur quoi on choisit de faire un focus, quand on choisit de faire un focus. Je prends le service développement, bah, je vois qu'il y a 11 personnes. Répartis comme ça sur la pyramide des âges, répartis comme ça sur les années d'embauche, répartis comme ça sur homme-femme, et puis voilà, plein d'infos en plus. Je vais faire un dernier truc qui est celui-ci, pour avoir exactement la même chose. J'avais mis un fond un peu plus foncé pour que ce soit mieux pour vous pour le voir. Je vais mettre un fond légèrement plus clair. Ce fond-là, alors ici je remets ma couleur de base. Ici, je vais remettre du blanc. Hop. Alors, pardon, je sélectionne tout ça, je remets du blanc. Aucun remplissage. Évidemment, je ne vais pas le refaire partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais dire, cette mise en forme, je la réapplique partout. Cette mise en forme partout.
être mis en forme partout. J'ai perdu des petits trucs qui sont juste mon format monétaire sans décimale et le fait que ce soit à droite. Et partout, je vais lui dire que si jamais ça doit rentrer sur plusieurs lignes, on va faire un renvoi à la ligne automatique. Bon, je n'avais pas forcément fait comme ça au départ, mais c'est très bien comme ça. Donc là, vous avez la même chose que moi. Il y a des petites bordures ici sur les graphiques qu'on pourrait supprimer. Je vais sélectionner ces graphiques-là. Format de la forme. Ah non, je ne peux pas les faire tous par tous. Alors je vais faire un par un. Contour sans contour. Pas forcément plus beau d'ailleurs, ça dépend des fois. Là, ça change pas grand-chose. Sans contour. On ne le voyait pas tout à l'heure parce que c'était exactement la même couleur, mais. Hop. Format sans contour. Contour sans contour. Contour sans contour. Et voilà. Du coup, là, on a terminé, compris les derniers points de détail que je voulais faire là. Et puis vous voyez qu'on a bien exactement la même chose ici que là. On a des mini détails, mais en vrai c'est la même chose. Et on a un tableau de bord RH assez simple, avec des données assez simples en entrée, qui fonctionne très bien et qui est tout à fait dynamique si vous voulez faire des focus sur des personnes qui ont. Hop, évidemment ça a bugué. C'est pas grave, je m'arrête là. Des personnes qui sont des hommes, des femmes dans tel service, ou dans tel service au pluriel, etc. Tout est ultra dynamique et vous pouvez le customiser comme vous voulez à partir de ce qu'on a déjà fait. Bah, à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit un tuto long comme ça ou un challenge. À bientôt!